Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien. On se retrouve sur l'épisode numéro 52 sur la ferme Saint-Luc. Je vous montre et je vous explique bien sûr tout ce qui va se passer juste après l'intro. Les amis, j'espère que ces petits plans de vue vous auront plu. J'ai pas prévu que ça au programme. Regardez, j'ai placé. Donc on va faire une ration totale mélangée. Maintenant que je sais les réussir, on va la faire. On va faire ça vite fait. Et oui, parce que j'ai avancé le temps. Je vous remets la TH. Je vous remets la TH. Bougez pas. Hop, ici j'enlève ça. J'enlève ça. C'est bon. On est à 205 000 euros. Le lait n'est pas tombé encore, il me semble pas. Mais en fait, pourquoi 205? Parce que on a le BGA qui tourne. Vous avez vu lors du live, alors je sais pas si vous avez entendu Marsupami, il en a parlé. On a le BGA qui est activé. Je vous montre quand même. J'ai réussi à régler le... Pour fermer et ouvrir la pince, vous verrez. Je vais vous montrer ça aussi. Ici, regardez, on a le BGA. Vous voyez, usine biogaz. On a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 activités, donc ça rapporte de l'argent bien évidemment, et ça nous fait du digesta. Regardez, on a 40 000 litres de digesta. Voilà, on va j'ai mis la benne ici tout simplement pour dire de, voilà, de sortir le fumier. Regardez les limousines, on a le fumier qui commence à s'amonceler, voilà, à monter ici, donc on le sortira après. Mais d'abord on va quand même faire une ration totale mélangée ensemble, bien évidemment. J'ai réglé, donc je vais passer en vue intérieure. Donc pour... oui, alors attendez, hop, il faut que je fasse ça, et ça, voilà. Ce sera un petit peu mieux. Ici, j'ai réglé mon joystick. Du coup, je peux ouvrir et fermer ma pince. Alors, avec la petite molette, là, voilà, bon. Mais ça fonctionne, donc, hop, regardez, tac, tac, voilà. Impeccable, donc ça fonctionne, voilà, bon. J'aurais préféré, quand je tourne le joystick comme ça, vous savez... vous voyez, je vous montre comme ça. En fait, non, ça marche pas. Donc, je l'ai réglé sur la petite molette. Là, voilà, il y a deux molettes là. Je m'en sers pas forcément. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Pourquoi pas, voilà, le mettre là-dessus. Par contre, j'ai un problème avec mon coup de caméra. Vous voyez, bon, c'est pas grave. Je m'adapte. On s'adaptera peut-être un petit peu plus à FS25. Oui, ça arrive, les amis. On n'oublie pas bien sûr de mettre le gros pouce bleu, on n'oublie pas de s'abonner bien sûr aussi si ce n'est pas déjà fait. Et je vous en remercie bien sûr d'avance. Lui, on va le remettre ici, voilà, tranquillement. Alors normalement, il est pas là, il se met pas là, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors regardez, je peux le mettre quand même, je me le cale ici, on va couper les phares. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, si je vais pouvoir sortir, on va aller chercher le télescopique. Donc on va mettre, vous allez voir, un godet complet. Alors j'espère que je vais pouvoir mettre comment dirais-je du digesta, enfin du. Pas du digesta, qu'est-ce qu'il raconte ce scène le complément minéral, voilà, complément minéral. Parce que pour la simple et bonne raison que l'autre jour en live, je n'y suis pas arrivé. Donc voilà. J'espère que ça va fonctionner, hein, bien sûr. Cette fois-ci, parce que là, c'est un peu la galère. Par contre, je me suis mis comme une merde, là. Alors, effectivement, si, ça doit passer. Ça doit passer, mais bon, on va reculer un peu, vous allez voir. Ça sera pas mal. Voilà. Et bon, normalement, ça devrait le faire. En tout cas, n'hésitez pas, bien sûr, à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo. N'hésitez... Qu'est-ce que je fais, moi? N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien évidemment, je vous en remercie, bien sûr. D'avance, n'hésitez pas, voilà, avec mon code partenaire bien sûr, à prendre le jeu FS25. Merci à tous ceux qui le feront bien sûr, et merci à tous ceux qui l'ont déjà fait aussi. Sachez que ben, ça m'aide énormément. Alors, j'ai pas réglé pour déployer la chargeuse, mais bon, c'est pas grave. Regardez, ça fonctionne. On y va. Allez, ici, on va mettre le FM parce que j'aime bien avoir le FM. On va aller après. Vous allez voir, chercher donc du maïs, hop, voilà, le quick camera là qui marche. Alors des fois il marche, mais bon, des fois il marche pas, vous voyez, des fois j'appuie 50 000 fois sur le bouton et ça fonctionne pas.
Bon, c'est pas grave, j'ai pas mis les feux. Ce serait mieux de mettre les feux. Ah oui, il y en a. Voilà. Eh bien, voilà. C'est quand même mieux de mettre les feux. On y voit un peu mieux avec les feux. En tout cas, j'espère que tout va bien de votre côté, les amis. J'espère que vous avez passé votre début de semaine se passe bien. Et oui, c'est bientôt la fin des vacances. Oui, c'est la fin des vacances. D'ailleurs, vous aurez repris pour les écoliers, là. Ils auront repris l'école, bien évidemment. Ouais. Attendez, faut pas décoller non plus. C'est bien joli les vacances, mais ça va 2 minutes. Mais bon, à un moment donné, j'ai envie de te dire qu'il faut bien reprendre l'école, quoi, quand même. À un moment donné, quoi, voilà. Et on se rapproche, voilà, bien sûr. On se rapproche à grands pas, bien sûr, de FS25. Alors là, pour déployer la chargeuse, normalement, hop, il faut faire ça. Alors, je fais avec la souris pour le moment. C'est vrai que j'aurais pu. Je pourrais faire avec. Le joystick, mais je pense que je le réglerai de l'autre côté pour déployer la chargeuse. Vous allez voir, déployer le bras de la chargeuse avant. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, vous voyez, normalement, j'aurais dû le faire directement, mais vous voyez, c'est ici déployer le bras de la chargeuse avant. Je pense que lui me fout la merde là. Lui me fout la merde. Déployer. Je sais pas. Voilà, déployer, reployer, voyez, hop, ça je peux l'enlever. Et là, normalement, ici à cette ligne-là, il faut que je fasse hop et que je fasse hop. Et comme ça, j'ai tout. Logiquement, j'ai tout sur mon truc. Voilà, hop, regardez, voilà, impeccable scène. Ah non, mais quand on veut, on peut, hein. Allez, on va remettre un peu d'ensilage d'herbe. Vous allez voir. On en a. Donc on en profite, vu qu'on en a. C'est pas non plus. C'est pas non plus. Voilà. C'est pas. Voilà. Que ce soit du maïs ou de l'herbe. Ça revient au même. Hein, normalement. Alors, on ne le met pas en entier. Vous allez voir que. Voilà. Avec ça suffit amplement. Et voilà. Alors. La ration totale mélangée pour les limousines, on va pas se compliquer la vie, hein, enfin, on se complique pas la vie, hein, c'est pas la peine. Vous savez que les limousines, ça mange de tout. Donc bon, c'est pas non plus, c'est pas très très grave. Par contre, pour les laitières, il faut une ration totale mélangée un peu plus soutenue. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, ben, pour le lait, il faut un peu plus de qualité, quoi. Hop, regardez, oh c'est génial, oh c'est génial. Allez, regarde, on va vider ça. Normalement. Voilà, on est à 20 700. C'est à peu près là où on était la dernière fois. Alors, est-ce que je ferais pas mieux plutôt que d'y aller avec le. Oh, j'ai pas ça en vue extérieure. Plutôt que d'y aller avec le télescope. Ouais, le télescopique. Avec le truc là-bas, je vais essayer de faire ça comme ça pour voir ce que ça donne. Est-ce que je peux le charger? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, attendez. Que ça soit bien mis parce que je sois bien mis dessous. Là, normalement. Oui. Impeccable. Regarde, si ça marche pas. Par contre, tout est à zéro là. Ah, voilà. Hop, impeccable. Charge. Alors, on le charge complètement. C'est pas grave. Hein, c'est pas un problème. Que ça soit l'un ou l'autre. De toute façon, ça mettra pas la totalité. La totalité. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ça devrait suffire. Allez, vas-y, fais voir. Ça devrait suffire. 2000, ça devrait suffire. Un petit peu plus, même 2100. Ça devrait le faire. Regardez, on va regarder, on va regarder. Attendez, résultat des courses. Est-ce qu'on arrive à charger. Est-ce qu'on arrive à faire une ration totale mélangée? On va le voir de suite, les amis. Normalement, ça devrait le faire. Voyez, regardez. Hop là, ça suffit. Amplement. Alors, je pense qu'elle est pleine, non? Eh, oui, elle est pleine. Regardez, 22 758 et il nous reste 100 litres dedans. Donc c'est pas non plus, ben, c'est pas grave. Hein. Ça, par contre, on va aller du coup le remettre dans le truc. On va pas s'embêter la vie. Hein. On va le remettre, vous allez voir. On va le remettre, vous allez voir. On va le remettre. Non, là, ça doit. Non, là, j'y vais bien normalement. Ça doit fonctionner. Et si ça fonctionne pas, ben, ça. J'ai pas. Attendez, bougez pas. Est-ce que ça marche pour mes petites kikines là? Si, ça marche, bien évidemment. Voilà. Comme ça, on peut garder le télescopique. On peut garder le télescopique sous la main. Vous allez voir pourquoi je garde le télescopique. Vous voyez?
Alors, rien que ça, les amis, ça prend un temps fou. Et on finira bien sûr par le labour tranquillement, vous allez voir. Ouais, c'est cool. C'est cool. J'espère en tout cas que cette vidéo, elle va vous plaire, les gars. N'hésitez pas, voilà, à me le dire. N'hésitez pas aussi à mettre un gros pouce bleu. Et voilà, ben, ça me fera plaisir. Allez, avance, on va pouvoir le couper. Là, on a une ration totale mélangée, c'est obligé. On va. Alors, j'aime bien jouer un petit peu le matin comme ça, là, au mois de novembre. On est novembre 2. On va avancer le temps un petit peu pour qu'on voit, bien sûr, le lait tomber. Logique d'ailleurs. J'aime bien, ouais, jouer un petit peu comme ça. C'est vrai que c'est un peu cool, quoi. Ça permet de voir un peu la nuit. Voilà, en début de matinée. Voilà, souvent les agris ben, bossent hein, en début de matinée. Donc, le matin, très tôt le matin. Il est 7h10. C'est pas très tôt, ouais. C'est pas très tôt. Pas les très tôt, bien évidemment, les très tôt. Regardez, impeccable. Et nos laitières, alors elles sont où? Parce que du coup, si c'est bon. Et on a 4857 litres de lait. Bon, c'est pas énorme, mais ça reste quand même correct. Voilà. On va pouvoir couper les feux de la, du tracteur. Et puis, on va le. Vous voyez, ça commence à monter, on dirait. Non? Mais ça monte pas. Je sais pas, on voit pas trop, hein. On voit pas trop. Peut-être qu'il en faut un peu plus pour que ça monte, qu'on le voit. Parce que, si, quand même, normalement, ça devrait monter, hein. Ça devrait. Ça devrait, mais ça monte pas. Alors, je sais pas. Dites-moi, ça fait pareil pour vous ou pas. Si on le voit ou pas. Je sais pas. Allez, après, on va pouvoir mettre le fumier dans la petite benne. Lui, on peut le laisser là, c'est pas un souci. Vous allez voir, ça y est, ça c'est fini. Voilà, les amis, on est bon. Regardez, on est pratiquement bon. Vous voyez, deux rations totales mélangées, on en a fait une en live. On m'a échauffé pour faire une ration totale mélangée en live. Vous avez vu, je l'ai réussi, hein. Je veux pas dire, mais je l'ai réussi. Voilà, et bon, bref. Ici, on va venir là. Alors là, pour rentrer, c'est un peu compliqué, mais on y arrive, regardez. Non, on n'y arrive pas, Ced. On n'y arrive pas. Je sais pas si je vais pouvoir rentrer, quoi. Putain, si c'est bon. Hop, là, on charge, bien sûr, le fumier. Alors, on charge, oui. On charge, non, on charge pas, là. On charge pas le fumier, là. Attendez, je me mets un peu mieux. Voilà. Hop. Et bon, regardez. Et bien, baisse, voilà. Hop. On va se mettre en vue intérieure. Allez. Alors, il n'y a pas grand-chose, les amis. Regardez, il n'y a pas énormément. Mais on va pas laisser ça quand même pour les vaches. C'est quand même un peu dégueulasse, quoi. Alors, presque. Bon, effectivement, j'ai mis la benne. Vous voyez, c'est bon, c'est fait. Vous voyez, regardez. Il n'y a plus de, il n'y a plus de fumier. Hein. Donc, j'ai mis la benne. Je sais pas, est-ce que vous feriez pareil, vous, ou pas? Dites-moi dans les commentaires, bien évidemment. On va les refermer là-bas. Hop, hop, hop. Ah, elles sont pas jolies, nos limousines, là. Elles sont bien, hein. Ici, on referme pour que voilà, elle soit à l'abri. Et là-bas, j'ai mis la petite benne. Je sais pas, moi je trouve que c'était un peu judicieux de faire ça. Vous voyez, la benne est là. Regardez. Attendez. Non, 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 non. Allez, allez, poussez-vous là. Ici, on va avancer le. Vous voyez, on avance un peu le godet. Je reste quand même. Regardez. Alors, elle est pas mal positionnée en plus. La benne. Et voilà, et on peut vider dedans. Regardez. Alors je vais lever ça quand même, ça fait dégueulasse je trouve. Et on vide dans la benne. Au moins, au moins on pourra après l'amener, soit l'amener dans un champ, soit l'amener. Alors là par contre je vais jamais arriver à ressortir moi. Si? Si, vous allez voir. Je vais arriver à ressortir normalement, mais. Ça empêche les télescopiques, ça braque super bien. Vous avez vu un peu? Vous avez vu un peu cette maniabilité? Alors là, ne regardez pas trop, j'ai fait des trous. Ceci étant dit, ah oui, je voulais avancer un peu le temps. Allez, le temps qu'on finisse l'épisode par labourer. On va mettre le luneau parce qu'il y aura rien, quoi. Il y aura qu'on a... Bon, bref, je vais dire des bêtises. Allez, on va aller sur le Fendt, le 722 au labour. On va l'avancer un petit peu le labour. On va pas. Ah, ce beau John Deere, hein, qu'est-ce qu'il est beau! Allez, on va le démarrer. Hop, hop. Et ici, regardez. On y est. On est là. On pose et on avance.
Donc voilà, on va voir. Je l'ai avancé en x5. Alors là, il en reste pas non plus énormément à labourer. On peut pas y voir un peu mieux là, ce tracteur. Ah si, c'est pas mal là. Du coup, il reste en x5. On va, voilà, comme ça, on verra un petit peu dans 5 petites minutes si on a le lait qui est tombé ou pas. S'il n'est pas tombé, ne vous inquiétez pas. J'avancerai le temps un peu plus rapidement. Mais même, on peut l'avancer un peu plus rapidement. Ah ouais, 6. Ah voilà. 10, c'est pas mal. 10, c'est pas mal. Allez, c'est bon. Allez, vire. Alors, le 722, bien évidemment, il n'est pas à nous. On l'a récupéré de la concession. On va maintenant le garder avec nous. Voilà. La fin de FS22, les amis. Approche, bien sûr, à grands pas. Voilà, pour tous ceux qui n'ont pas commandé ou précommandé, bien évidemment, le jeu FS25 sur le mode hub avec mon code partenaire. Sachez que ça m'aide énormément. Je voulais encore remercier tous ceux qui l'ont fait et tous ceux qui le feront, bien sûr. Je voulais remercier aussi mon ami Keke, voilà, qui a fait un don généreux sur la chaîne dimanche matin en live. Voilà, merci à lui. Voilà, ça me touche énormément, que ce soit les dons, que ce soit les commandes, les précommandes, bien sûr, pour FS25. Voilà, voilà les subs aussi. Vous êtes nombreux à être subs sur la chaîne et y rester depuis des années. J'ai pas de nom en tête, mais parce que vous êtes des oufs, quoi. Vous êtes des oufs, les amis. Voilà, tous ceux qui sont subs à la chaîne, c'est juste c'est juste génial. Merci à vous. Et vous êtes là depuis très longtemps. Donc, voilà, merci à tous ceux qui sont là aussi et qui mettent des pouces bleus tous les dimanches. Et le dimanche, on n'atteint pas rarement les 100 pouces bleus. On les atteint assez régulièrement. Dimanche dernier, vous étiez encore plus de 80 tout le long du live. Donc voilà, merci à vous pour un dimanche matin. C'est juste énorme. Voilà, je sais que FS25, bien sûr, arrive à grands pas. Vous serez nombreux, bien sûr, à voir un petit peu les aventures de cette farmer sur, bien sûr, FS25. Certains m'ont demandé si le premier Morning Farm, ça sera la présentation du jeu ou pas. Qu'est-ce que ça va être voilà. On peut, bien évidemment, on peut présenter un petit peu le jeu. Faire un petit tour, voilà, de tout ce qu'il y a, de tout ce qui peut y avoir avant d'attaquer les séries. Voilà. Je sais pas après comment on va se ficeler tout ça, mais comment ça va se ficeler. Attendez, je remets mon câble en route, hein. Vous m'en voulez pas, ouais, c'est bon. Je replaçais mon câble parce que ça me gênait depuis tout à l'heure. Donc voilà, je sais pas comment ça va se composer, comment on va composer tout ça, bien évidemment, mais effectivement, là, ce qui est sûr, les amis, c'est que on a tous la hype. Vraiment, on a tous hâte d'arriver à FS25 pour la simple et bonne raison que voilà, FS22, ça fait quand même 3 ans qu'on y est dessus. C'est énorme, 3 ans. Je sais pas combien j'ai d'heures sur ce jeu. Mais les séries, les roleplays, toutes les séries, bien évidemment, parlent d'elles-mêmes. Là, on est à plus de 50 épisodes. La ferme des blés dorés, on a dépassé les 20. Les agris à Lonnie et la Breuil, qui est arrivé très tard dans FS22, avec Marsu. Donc on est à plus de 40 épisodes aussi. Vous voyez, donc... Voilà. Et puis toutes les séries ont plus ou moins une particularité. Il y a eu avec mon ami Romagri, bien sûr, à qui je passe le bonjour, et l'ami Nico, bien sûr. Voilà, la méga série, voilà, où on s'est régalé. Donc n'hésitez pas, voilà, tout le temps. Donc nous, on était en live, voilà. Mais la ferme du Bel Air. Notamment, voilà, je passe le bonjour à mon ami Nico, bien sûr, je lui fais un gros bisou et merci à lui de nous avoir conviés avec mon Rome, bien sûr, sur cette série qui est juste génial. J'espère que on pourra revenir, bien évidemment, voilà, sur une peut-être une saison 3, c'est ça, 3, voilà, bah, toujours, encore et toujours, bien évidemment. Nos emplois du temps correspondent bien évidemment avec mon Romagri, ça sera un pur bonheur. Le lait est tombé, voilà, ben 9 600 € de lait, les amis. Je crois qu'on peut se quitter là-dessus. Donc voilà, on verra en fonction, voilà, si la Minico refait une série, bien sûr,
Voilà, donc eh bien, on sera là, sûrement, on sera sûrement là. Il y aura une méga série aussi avec ça, ben, bien sûr avec Dylan, voilà, avec Zero, où justement on fera sûrement un roleplay. On va préparer ça tranquillement, voilà, et puis tout un tas de choses qui vont se passer sur FS25, voilà, qui, je l'espère, vous plairont en tout cas autant que le FS22, que, autant que le FS19. Et oui, parce qu'on était là en FS19 aussi. Et on était là sur le FS22, on y a passé du temps, on y a passé des moments, on a fait du live ensemble, on a partagé des moments, voilà, des bons moments, que des bons moments. Et ça, c'est un pur bonheur, les amis. Et tout ça, bien sûr, je vous le dédicace, bien sûr, parce que c'est grâce à vous tout ça. Et c'est grâce à vous uniquement que j'ai pu atteindre les 13 000 abonnés. C'est énorme. Si un jour, quand j'avais commencé, quand j'avais commencé farming avec mon pote Rome, à qui je passe le bonjour, bien sûr, eh bien, on m'avait dit, tu verras, quelques années après, tu vas être à plus de 10 000 abonnés, 13 000 abonnés, et ça va augmenter, et ça monte. Voilà, donc bien évidemment, rien que pour tout ça, on fera un événement jeu à gagner, bien sûr. Voilà, vous aurez des jeux FS25 à gagner, des DLC aussi. Voilà, et en plus, si j'ai la chance, bien sûr, grâce à vous, d'être bronze, mais il y en aura encore plus. Donc voilà, sachez-le. Donc ça, c'est cool. Voilà, donc merci à vous, en tout cas. Merci pour tout, les amis. Voilà, cette aventure, ben, elle est unique en son genre. Voilà, parce que on a beau jouer à farming, voilà, dans la farming family, on a beau être... ben, il y a Papa Valaisan, il y a Jérémy, il y a Romagri... voilà, il y avait, bon, Eddie, c'est un peu, voilà, par rapport à son emploi du temps, c'est un peu plus compliqué. Il y a mon Seb du Nord qui a froid. Voilà, on est un peu nombreux aussi à faire des vidéos, à faire des lives, à faire, voilà. Mais on a tous notre identité, on a tous notre petit truc qui fait que ben, vous êtes là et que vous venez nous voir tous, tous ensemble. Et on tient, vraiment, je parle, voilà, au nom de la Farming Family. On tient vraiment à vous remercier pour tout ça, voilà, pour ces beaux retours, pour cette belle aventure. Et croyez-moi, elle est loin, 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 très, 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 très loin d'être finie. Et voilà, voilà, merci, merci du fond du cœur, voilà les amis. Et bien c'était cette Farmer News, le gag du soleil. Passez un agréable mercredi, très très bonne fin de semaine à vous tous et toutes. Et quant à moi, je vous dis à très vite et bien sûr pour de prochaines aventures. Bye bye.